Puis restons dans les couloirs de l'Institut français de la Gombe où l'opéra de Kinshasa est en séance de répétition. Cet ensemble musical qui allie musique classique et traditionnelle prépare un spectacle à présenter pour la première fois ce samedi au public de la halle de la Gombe. Guilain Kabalundi. Dernier réglage avant le grand spectacle de ce samedi à l'Institut français halle de la Gombe. L'enjeu, le spectacle est un baptême de feu pour l'opéra de Kinshasa dans ses centres culturels. C'est une surprise où nous invitons les Kinois de venir et on invite les parents d'amener leurs femmes, leurs enfants, de venir découvrir une autre musique, une musique qui ouvre l'esprit d'une personne. Au menu du show concocté, un opéra brassant instruments de musique classique et traditionnelle, un style que les artistes appellent Mouine Kankou, une expression chiluba qui veut dire jumeau. L'idée est venue en voyant qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau, ce qui peut épater le monde. Et l'idée nous est venue comme ça, on a commencé avec un xylophoniste, et par après, bon, on l'a pris, hein, et puis on a créé, on se dit, bon, avec la musique de Handel, est-ce que ça va marcher avec les instruments traditionnels? On a essayé, ça a marché, voilà. C'est par là que tout a démarré. Lors de cette séance de répétition, aucun détail n'est épargné. Bien entendu, pour offrir aux mélomanes ce samedi soir un spectacle à la hauteur de la détermination des artistes.